Bonjour Hélène, nous sommes vendredi 21 juin. Pas de blabla, ça sera demain. Mais je voulais juste vous présenter mes cadeaux d'anniversaire de ma meilleure amie. Donc les cadeaux d'anniversaire 2019. Donc c'est des parfums. Alors sur le coup, sur le coup, je crois que c'était des canettes. Alors déjà, des canettes. L'alcoolique. Ah ouais, après, je vous montrerai un truc. Non, c'est pas. C'est Exhale. Essence, Exhalescence, des parfums, eau de parfum de grâce. C'est donc une grande, enfin une société qui fait des dupes. Enfin le nez, alors moi je sais pas, la tête, le corps, l'esprit, je ne sais pas. Alors un c'est le dupe de Shalima et l'autre c'est le dupe de la petite robe noire de Guerlain. Mais c'est pas. Il n'y a pas écrit. Je pense qu'ils n'ont pas le droit de le mettre. Alors, en plus, ça tient parce que je me suis douchée ce matin. J'ai passé la soirée avec. Alors, c'était très entêtant. Elle n'aimait pas. Parce que c'était très entêtant. Moi, je pense que la petite robe noire a tenu plus. Alors, je sais pas. La référence 116 et la. Ouais, bon. Et la référence 101, je regarderai. Je pense que ça doit être chez moi. Je vais regarder. Tant qu'à faire, hein. J'ai l'ordinateur, je travaille. J'ai envie de chouquer. Ah, chouquer, ça veut dire faire une grosse sieste. Alors, je sais pas, c'est une expression que j'ai toujours. Oh, what? Ouais, pas d'internet. Alors c'est Exhale Essence. Exhale. Exhale Essence. Parfum. Alors. Ah, c'est de la vente directe. Ah, d'accord. Ah, d'accord, c'est un style. Oui, mon père faisait ça à une époque. C'est 20, c'est ça? 50. 100, 100, 100. Il n'y a que du 100. 109. Ah, non, pardon. Ah, mais c'est bien. Mais référence 101. Oui, vu la tête, c'est du Chanimard. Ah oui, d'accord. Oriental, donc ça doit être Chanimard. Et 116. Oui, voilà, c'est ça. Alors, la 101, c'est Shalima. Et la 116, c'est la petite robe noire. Ok, mais vu les photos, ils ne peuvent pas mettre le nom. Ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit. S'ils veulent vendre, voyez sa petite robe noire. Ça fait très un parfum d'hiver. Je me vois. C'est plus pour moi des parfums d'hiver que je vais garder pour cet hiver, puisque j'ai déjà deux parfums pour cet été. La petite robe noire, par exemple, très hiver, très. Je prends une douche, je me mets dans une doudoune et je me parfume et c'est très. Je prends mon petit thé, très un bobo parisien, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la petite robe noire de Guerlain, quoi. Voilà, c'était mes cadeaux. Merci beaucoup, la Miss. Je suis très, 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 très contente de les avoir. Même si je n'avais pas commandé ça, mais c'est pas grave. Je t'aime quand même. Hier, je suis allée. Oui, je voulais vous montrer ça. Parce que je pense faire le blabla demain après-midi. Demain, début d'après-midi, après avoir été chez l'esthéticienne, me faire épiler la moustache. J'ai acheté par l'intermédiaire de mon
Airbnb. Ça me dit. Le Muscat Bomb de Venise, je vais goûter ça dès ce soir parce qu'il est que 4h moins le quart, je ne suis pas dans l'alcoolisme non plus, même mondain. Servir très frais, je vais le mettre au frigo. Je vais payer, le chèque est par là. Voilà. Et apéritif des papes en Avignon. Voilà. Donc, ça, bon, je me considère que c'est un petit cadeau. Autant l'année dernière, c'était un. Donc, une belle fico. Cette année, c'est la fille alcoolique. Je bois de l'alcool. Voilà. Donc, c'était un petit blabla, cadeau d'une copine, cadeau de moi-même à moi-même. Hein, parce que ben, je ne vais pas attendre, entre guillemets, par rapport aux gens qu'on me fasse des cadeaux. Donc, voilà. Petit apéro. Petit apéro. Voilà. Je fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne fin de journée.